Bonsoir et bienvenue sur Watch TV, l'émission 100% jeux vidéo ou presque ce à quoi tu joues. Presque, je dis bien, parce que de temps en temps, eh bien, on parle d'autre chose que de jeux vidéo, vous le savez. Et je voulais d'ailleurs au passage vous remercier de votre fidélité sur Internet et bien sûr les différents canaux des principales box françaises. Et ce soir, justement, je vous propose de retomber en enfance. Souvenez-vous, dans les années 80 notamment. Vous étiez peut-être fan d'un jeu de football qui s'appelle Subbuteo. Voilà, souvenez-vous, hein, d'une petite pitchinette comme ça, comme avec des billes, sauf qu'on, voilà, il fallait aller mettre des buts. Dans les buts, justement. Alors moi, je suis sûr que ça fait encore référence, on va dire, chez tous ceux qui ont passé la trentaine. Mais vous allez voir que vos enfants vont peut-être y venir très bientôt. Ali Tanriverdi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des ventes Île-de-France pour le groupe Megapleu, éditeur de Subbuteo. On parle ici d'un véritable revenant. Oui, c'est un jeu qui a été créé en 1947. Par un Anglais, Peter Adolf. À l'époque, il n'avait pas de jeu pour jouer sur un bateau, donc il jouait avec des capsules de bière. Par la suite, le jeu a été commercialisé en 1964. Il y a eu d'autres versions qui sont arrivées en Europe dans les années 80-90. Mais ça faisait plus de 15 ans que le jeu n'était pas présent sur le marché français. On a décidé de relancer le jeu, nous, justement l'année dernière, avec une version de base France-Espagne et une autre version cette année France-Brésil. Coupe du monde oblige, forcément. On s'attendait à la finale, mais on l'a pas eu. Ah, dommage. On a quand même eu la Coupe du monde. Et justement, on a eu la possibilité aussi d'être parrainé par Christian Carambeu sur ce produit-là. Le but du jeu pour Megableu était justement de essayer de trouver un compromis au jeu vidéo. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le problème, c'est que sur le jeu de foot, mis à part le jeu vidéo, vous n'avez pas grand-chose. Donc on a voulu sortir du jeu vidéo, donner un aspect un peu plus ludique au football et permettre aux parents et aux enfants de se retrouver justement. On va en garder un petit peu pour la suite de l'émission, parce que je vous sens déjà parti. Alors, Megableu, on vous connaissait aussi, et on vous connaît aussi avec ce jeu. Voilà, Chasse Fantôme, c'est ça, et Vocabulon. Chasse Fantôme, vous me disiez avant que l'émission ne démarre que c'était que ça marchait très très fort. C'est quoi le principe? Tout simplement, c'est le numéro 1 des ventes ces 5 dernières années sur le jeu de société. Le principe est très simple, c'est un jeu de tir, on joue dans le noir. Vous avez Pablo Crano, qui est un petit squelette très sympa, qui va projeter des fantômes dans la pièce. Et le principe est d'aller les chasser avec son pistolet, d'aller avoir le maximum de points. Voilà, on est dans une autre dimension, mais c'est aussi ça, hein, le jeu à la maison pour les enfants. Voilà, après chasser les fantômes, on va aller chasser les revenants. Voilà, les joueurs de foot de Subbuteo, on en reparle bien sûr dans quelques instants. Si je vous dis Lara Croft, vous me dites quoi? Tomb Raider. Tomb Raider, bravo. Vous pourrez entendre tout à l'heure Tristan Perdrio de Square Enix, que j'ai rencontré il y a quelques jours, pour parler du nouveau jeu autour de Lara Croft, le Temple d'Osiris, un jeu d'action à partager à plusieurs, là aussi. C'est un peu comme Subbuteo, c'est quand même plus rigolo à plusieurs. Voilà, on va retrouver une Lara Croft plus dynamique que jamais, qui va faire alliance avec des dieux égyptiens pour combattre l'infâme Seth, le dieu du chaos. Puis puisqu'on est dans les héroïnes de jeux vidéo, je voulais vous en parler d'une autre dont l'arme principale, c'est moins deux flingues, mais plutôt un cerveau. Ça s'appelle Kate Walker, l'héroïne du jeu Siberia, qui débarque pour la première fois dans son intégralité sur iPhone et iPad. La jeune avocate new-yorkaise reprend son voyage initiatique dans les Alpes françaises pour reprendre une usine d'automates au nom de sa compagnie. Elle doit retrouver l'héritier de l'usine pour clore l'opération de rachat de cette entreprise. Une aventure qui va modifier sa vie et sa vision de la vie. Le jeu a été entièrement repensé pour l'utilisation de l'interface tactile. Il est disponible pour 5,99€ et pèse quand même 1,4 Go. Voilà, j'espère qu'il vous restera quand même un peu de place là aussi sur votre e-machine, parce que ça en fait. Voilà, ils ont un autre physique, mais ils se remarquent tout autant, tout en muscles, les sportifs de Blood Bowl 2, qui se dévoile un peu plus en jeu vidéo. Blood Bowl, est-ce que vous connaissez? Non, pas du tout. Ben voilà, c'est aussi un jeu de foot. Alors c'est un mélange entre on va dire, du football américain et un jeu qui s'appelle Warhammer, un jeu Heroic Fantasy édité par Focus. Quand le football américain se joue avec des orques, des nains, des elfes, des hommes bêtes et même des pom-pom girls. Voilà, c'est assez fou.
coup, c'est assez drôle. Le jeu doit sortir au printemps 2015 sur PC. Et nouveauté, il sortira également sur Xbox One et sur PS4. Voilà pour les fans de jeux de foot, on va dire un peu plus musclés. Enfin, pour terminer, voilà, je voulais pas passer à côté de ce gros délire qui a été fait par des jeunes gens qui j'ai découvert sur le site des Arocs, le jeu vidéo Nabila, voilà, en mode gros pixel à l'ancienne que vous pouvez voir. Ça se passe un peu de commentaires, j'ai envie de dire, mais tout y est ou presque. Le shampoing, y compris, hein, vous allez voir, pour reprendre des forces, et bien sûr le non mais allô quoi, voilà. J'ai volontairement expurgé, on va dire, le moins politiquement correct, parce que c'est très politiquement incorrect. La vidéo est toujours en ligne sur les Inrocks. Voilà, si vous voulez voir, c'est une drôle d'expérience. Bon, c'est vrai que l'actualité de Nabila n'est pas très heureuse en ce moment, mais bon, voilà, ça correspond assez bien à son personnage très médiatique. Allez, on fait une petite pause et puis on se remet à parler ballon rond. À tout de suite. Voilà, merci d'être avec nous, Ali Toriverdi. Donc, vous travaillez pour Méga Bleu, responsable des ventes, éditeur donc de ce Subitéo. Il y a un an maintenant, vous avez signé un partenariat avec la Fédération française de football de table, c'est ça, Subitéo, pour relancer cette licence. Pourquoi est-ce qu'elle avait disparu d'abord ? Je pense qu'elle a surtout disparu lors de l'apparition du jeu vidéo, et parce que dans les années 80-90, le jeu avait bien fonctionné. Dans les années 90, on a eu l'apparition des différentes consoles de jeux, donc on a commencé avec les différentes Nintendo, Sega. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a eu le développement aussi peut-être d'Internet et de la télé. On est passé sur un support totalement différent, on a vu aussi un écart et un creux au niveau des jeux de société. L'enfant a peut-être changé de place, changé de support. Et nous, on a décidé justement de revenir pour remettre tout ça en place. On a vu que les parents cherchaient justement un moyen de, on va dire, se rapprocher des enfants. On n'a pas forcément tous envie de jouer, rester devant une console. Et le Subitéo a permis justement aux enfants et aux parents de se rapprocher en évitant de passer par la console de jeu ou la télé. Oui, parce que j'ai envie de dire que les jeux de foot sur console n'ont jamais été aussi forts. On a parlé ici, hein, bien sûr, de FIFA 14, de FIFA 15, du retour de roi, ce qu'on appelait le retour du roi PES 2015. À votre façon, c'est aussi le retour du roi. Comment est-ce qu'on relance finalement une licence qui était un peu passée de mode, hein? Le jeu n'était pas perdu, parce que justement le fait qu'il y ait encore une fédération, vous avez quand même une Coupe du Monde, une Coupe de France, des championnats de France aussi. Donc le jeu n'était pas perdu, il y avait toujours... Pour de vrai, hein, avec des joueurs qui s'affrontent. Il y a une vraie fédération avec des vrais pros. D'ailleurs, vous avez une fédération qui se trouve ici, le Moulineau, qui a été championne de France, je viens d'apprendre l'info aujourd'hui, qui est championne de France. Donc c'est la région parisienne qui détient le championnat de France cette année. Et le principe, lui, n'a pas bougé. C'est juste que les parents ou les enfants ont besoin de se retrouver dans ce produit-là en essayant d'aller l'acheter. On n'avait pas d'autre support, donc on s'est décidé, on a vu qu'il y avait une envie, on a vu qu'il y avait un espace à aller chercher, on s'est décidé de le relancer de Subitéo, on a eu l'opportunité de le relancer. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé sur une façon de faire différente. On a été chercher Christian Carambeu, qui est notre partenaire et champion du monde, qui a une image sympathique. Et joueur, qui était un ancien joueur, voilà, visiblement, depuis 88, il était joueur. Un vrai joueur et un très bon joueur d'ailleurs. Ouais, il est bon. Ouais, il est très bon. Mais il avait le même souci. C'est vrai que aujourd'hui, si vous n'avez pas le produit, les parents n'ont pas forcément envie de jouer à la console, même si la console est importante, parce que moi je joue à la console, je joue à FIFA. Mais aujourd'hui, je peux pas battre mon gamin de 15 ans à FIFA. Mais je le bats à Subitéo. Ah d'accord. Donc ça me permet aussi de c'est reprendre. C'est la revanche. Voilà, de reprendre le dessus sur mon gamin. Alors les gens qui ont pu y jouer, on va voir peut-être avec la caméra du haut montrer un peu ces petits culbutos. Ils ont changé quand même. Je les reconnais pas tout à fait par rapport. Ils sont plus fins, j'ai l'impression. On les a remodélisés, ils sont un peu plus légers. Ils glissent mieux aussi parce qu'on a complètement changé au niveau du socle afin d'avoir un jeu qui soit semi-professionnel entre guillemets, parce qu'on sera jamais sur du professionnel. Mais un jeu qui soit beaucoup plus sympa et beaucoup plus rapide, plus fluide. Alors, on est sur des personnages qui sont aussi maintenant un peu plus costauds, parce que normalement ils sont incassables. Bon, on a toujours des incassables. Mais vous pouvez y aller. Ah oui, dites donc. Il n'y a pas de problème. Ah ouais, alors ça par contre c'est une bonne effectivement, ça pouvait avoir tendance à se casser. Ça change du personnage rigide qu'on avait eu une quinzaine d'années qui tombait et qui se cassait en deux. D'accord, et donc ça c'est plus solide. Bon, ça va plaire un petit peu plus aux parents. Il y a toujours effectivement le ballon. Alors moi il y a effectivement, on parlait d'une de compétition.
Et alors, il y a même comme les top 10 des plus beaux buts. Alors, on va en voir quelques-uns parce que j'ai récupéré la vidéo justement sur Internet. Voilà, le sixième but, vous allez voir préparé. Il y a pas mal de c'est assez zlatanesque, on va dire. Allez. Voilà, voilà Cédric qui a marqué, ça date de 2009. Voilà, c'est technique comme jeu. C'est très technique. Parce que le principe, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est sur les vraies règles. C'est vraiment du football. C'est du football sur un tapis. C'est du foot de table, mais avec les vraies règles. Donc vous avez les hors-jeux, les coups francs, les différentes passes, les touches. Donc le but du jeu, c'est pas forcément d'y aller comme un fou, parce qu'en plus, vous avez deux positions. Vous avez forcément une équipe qui va attaquer, une équipe qui va défendre. Donc l'équipe qui va passer en phase défensive va essayer d'intercepter le ballon en se plaçant entre les lignes. Et l'équipe qui va attaquer va justement, elle, essayer, en moins de coups possibles, d'aller marquer un but. Alors, on le disait, donc des compétitions. Donc, qui dit compétition dit arbitre. Alors, parmi les... Vous avez fait aussi des arbitres, mais ils servent à quoi, honnêtement? Non, c'est plus pour la déco, parce que vous avez aussi la possibilité d'avoir les arbitres, les gradins. Vous avez les possibilités d'avoir des arbitres, des gradins, pas mal de choses. Donc là, c'est plus vraiment de la déco et c'est pour permettre aux fans de se retrouver dans un vrai stade. D'accord, oui, parce qu'il y a des joueurs qui ont construit quasiment des vrais stades. Ah, vous avez des joueurs qui ont les gradins, le vrai tapis. Là, vous avez les différentes tables qu'on a vues justement sur la présentation de vos buts. C'est des tables officielles, tout en bois, où vous avez la possibilité de rajouter des gradins. C'est vraiment un beau produit. Hein. Donc il y a une communauté effectivement très, très importante. Et on le voit d'ailleurs dans cette vidéo, c'est pas forcément que pour les enfants. C'est pas trop dur justement pour les enfants? Non, pas forcément. Bah, après, vous avez des compétitions, on va quand même laisser les enfants jouer entre eux. Pas forcément, mais il y a de la patience. Donc c'est ce qui est plus délicat pour les gamins, c'est la patience. Mais au niveau technique, non, parce qu'après, dès que vous avez pris le coup de main et que vous avez la technique, ça va très vite. Hein. Honnêtement, ça va très vite. Les enfants adorent. Hein. Vous pouvez passer une heure et demie sur le jeu sans voir le temps passer. Hein. D'accord, bah le temps d'un match en fait, et puis voilà, bah si souvent le mercredi soir c'est des soirs de foot, bon après avant le match ou à la mi-temps, pourquoi pas une petite partie. Un match de Ligue des Champions. Ça dure combien de temps d'ailleurs une partie en général? C'est 15 minutes par mi-temps. 15 minutes, bah voilà. Donc vous pouvez le faire juste avant et juste à la mi-temps d'un vrai match de foot, voilà, pour revivre les plus belles actions. Vous avez profité justement de la Coupe du Monde cet été, enfin l'été dernier, pour relancer la marque. Est-ce que ça a fonctionné? Au niveau de l'impact, oui, parce qu'on se rend compte cette année, par exemple, au niveau des ventes sur une édition comme France-Brésil, qu'on a eu un impact assez important. On a eu un support publicitaire aussi important avec les différents quotidiens sportifs. Mais le fait d'avoir une Coupe du Monde, forcément, relance le produit. Vous avez toujours les gamins qui vont suivre la tendance actuelle. Donc c'est vrai qu'on était sur la tendance Coupe du Monde, donc les gamins voulaient forcément quelque chose qui était lié au foot. Et Subutéol est dans ce sens-là. Alors, on aime bien avoir son équipe favorite, donc il y avait l'Espagne, là, la France, le Brésil. Est-ce que vous allez aller vers les équipes de... Déjà, plus d'équipes de pays, mais aussi des équipes de clubs, c'est un projet? Aujourd'hui, en pays, vous avez en possibilité d'avoir justement le Portugal. Voilà, qu'on a ici. Hop. L'Allemagne. Le Brésil est déjà disponible, mais pouvait l'avoir seul. Et la grande surprise, ben, je vais vous l'annoncer parce que c'est en projet et ça arrive là normalement début janvier. C'est vous aurez les éditions Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne. Ah oui, donc trois. Ben, d'ailleurs, Subutéo, vous êtes en vert. Malgré que je sois fan de l'OM. Vous êtes fan de la. Et alors, justement, est-ce qu'on arrive à reconnaître un peu les joueurs? Si on a le PSG, est-ce qu'on va reconnaître Zlatan ou est-ce qu'il y a un effort qui est fait? Si vous prenez l'équipe, la portugaise, boîte vous allez retrouver Cristiano Ronaldo normalement. Sur l'équipe de France, vous allez avoir certains joueurs que vous allez reconnaître assez facilement. Vous allez avoir Mamadou Sakho qui a la crête justement au-dessus de la tête. Sur l'équipe du Portugal, vous allez avoir Cristiano Ronaldo avec la petite crête. On essaie de reprendre la coiffure, les couleurs des chaussures aussi. Voilà, bah, ne cherchez pas Nasri hein, parce qu'il continue de bouder, il paraît. Donc c'est pas la peine, il sera pas là-dedans. Pas de Nasri et pas de bus dans le jeu. Voilà, quel accueil dans les magasins? Est-ce que c'est facile de retrouver une place quand vous revenez quelques années après 15 ans quasiment de disparition, avec des boîtes qui sont assez imposantes? Ce qui est sympa à voir, je pense qu'on est un des seuls jeux où vous avez des parents, des personnes qui sont plus âgées, qui arrivent à une trentaine, 30, 35 ans, qui quand on voit le produit, ils le reconnaissent tout de suite et ils se reconnaissent dans leur enfance. C'est la première chose qui est sympa, c'est celle-ci. Et ce qui est important pour nous, c'est justement que ces parents-là puissent racheter le jeu à des enfants de 10-12 ans. Donc le principal client qu'on ait aujourd'hui, c'était les anciens joueurs de Subutéo qui vont essayer de remettre à goût le produit pour leurs enfants.
Voilà, et puis donc bah, vous allez pouvoir refaire le match, le classico entre le PSG bien sûr et l'OM maintenant chez vous sur un tapis. Alors on l'a pas déplié. Waouh, c'est pareil, le tapis, ça a changé aussi. On a changé les matières aussi. Ah oui, en plus, on maintient un peu comme au billard. Mais moins synthétique, j'ai l'impression. Et qui fait beaucoup moins de nœuds ou de bloches, en fait, c'est le problème qu'on avait auparavant. Et là, actuellement, on est sur un tapis qui n'a plus aucun problème. Un coup de fer à repasser, c'est nickel. Finalement, ça vous a pas mal servi, en fait, d'avoir le temps de réfléchir à ce que vous vouliez faire de cette licence ? Exactement. On a pris le temps, justement, de développer le produit. On a la chance aussi d'avoir quelques personnes au sein de Méga Bleu qui connaissent le foot, dont moi, donc on savait où aller, comment se diriger. On s'est dit qu'on voulait pas relancer le produit comme un produit jeu simple et loisir, mais qu'on voulait sortir quelque chose qui plaise aux enfants et aux vrais joueurs de Subutéo. Voilà, et au futur peut-être champion du monde avec ou champion de France avec ici les Moulineaux. Champion de France c'est fait, voilà. Peut-être champion d'Europe en espérant. Voilà, c'est quand la compétition ? Vous avez une compétition au mois de février, vous avez le championnat d'Europe à ici les Moulineaux en plus. Ah oui, ici les Moulineaux, bah voilà, ça sera pas mal si vous voulez aller voir. Voilà, parce que bon, quand on joue comme ça avec son petit doigt comme ça, mais là vous avez vraiment des as du pouce et de l'index. Non, mais il faut les voir parce que les mecs sont en sueur quand ils jouent, c'est hallucinant, c'est hyper beau à voir. Voilà, des vrais compétiteurs en tout cas. On va retrouver un autre compétiteur et c'est une femme, direction l'Égypte ancienne, les pyramides, le soleil et les dieux pas commodes pour la nouvelle aventure de Lara Croft. À tout de suite. Voilà, Lara Croft revient pour de nouvelles aventures. Les joueurs ne s'en plaindront certainement pas, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, parce que c'est toujours agréable aussi, je crois, quand on est une femme, de pouvoir avoir entre les mains eh bien une beauté pareille, qui soit en même temps une vraie héroïne. Alors on va passer, on va voir la vidéo justement de ce nouveau jeu. On va passer sur sa jeunesse et sur sa fragilité, sur le dur apprentissage du métier d'aventurière qu'on avait pu apercevoir dans le dernier Tomb Raider, pour retrouver Lara dans un jeu d'action-aventure, le temple d'Osiris. La belle s'apprête à mettre la main sur une relique dans une pyramide lorsque son concurrent Carter revient du diable Vauvert et s'empare de l'artefact juste avant elle. Catastrophe, ils sont en train de libérer le dieu Seth de sa prison de sable. Lara va avoir besoin de l'aide d'Isis et de son fils Horus pour combattre le noir projet du dieu égyptien. Voilà pour l'histoire. Vous voyez aussi un gameplay qui change beaucoup de ce qu'on a pu voir dans le précédent Tomb Raider et qui est dans la droite ligne d'un jeu qui s'appelait Guardian of Light, qui est sorti il y a quelques temps. C'est un jeu d'action et de coopération, parce que le principe c'est que vous pouvez jouer jusqu'à 4 personnes dans ce même décor antique. Le jeu rappelle Diablo d'ailleurs dans le genre, c'est plutôt un compliment. L'éditeur Square Enix s'est plié en 4 pour dédoubler Lara Croft et Tomb Raider. C'est ce que m'a expliqué Tristan Perdriau, il est responsable marketing de Square Enix. On l'écoute. Ils ont séparé en fait la licence depuis l'année dernière. Il y a eu donc Tomb Raider qui raconte l'histoire des origines de Lara Croft et une sorte de spin-off qui est sorti en 2011 et qui s'appelait Lara Croft and the Guardian of Light. Et donc la suite, en fait, c'est Lara Croft and the Temple of Osiris. Donc on a sorti Lara Croft, l'ancienne Lara Croft de 1996, la baroudeuse, et on en a fait une licence qui est sortie en 2011 qui s'appelle Lara Croft Guardian of Light. Et là, c'est la suite. Et puis il y a le Tomb Raider habituel en 3D, jeu d'aventure, qui est sorti l'année dernière, donc le Tomb Raider qui raconte les histoires de Lara Croft, l'origine en fait de Lara Croft. Donc c'est deux Lara Croft finalement différentes, une toute jeune qui commence son aventure, et puis là, la baroudeuse, dans un jeu qui est plus basé sur la coopération. Avec l'arrivée de deux nouveaux héros jouables, Isis et son fils Horus. Bah oui, en fait, c'est un clin d'œil pour les fans qui ont connu Tomb Raider en 1996. On revient en Égypte. Donc ça, c'est vraiment un lieu mythique, une destination mythique de Tomb Raider. En 96, il y a eu la fin de Tomb Raider, justement, qui se passait en Égypte. Et puis, il y a eu le Tomb Raider, la révélation finale, le Tomb Raider 4, qui se passait complètement en Égypte. Donc on s'est dit, voilà, on raconte cette histoire, mais comme on est un jeu en coopération, on peut jouer à 1, 2, 3 ou 4 joueurs. On va donner à Lara Croft des alliés, dont ces deux dieux égyptiens. Alors, on retrouve bien sûr Lara Croft plus en forme que jamais, avec des armes.
Là aussi, on a la possibilité de changer, d'évoluer et de faire évoluer les personnages qui jouent avec elle. Oui, bien sûr, on a un petit côté RPG, donc assez léger, mais tout au long de l'aventure, on trouve évidemment plein de trésors, plein d'armes différentes, donc on va pouvoir sélectionner avec n'importe quel personnage une amulette qui permet d'augmenter les capacités du groupe, des anneaux qui permettent d'augmenter les capacités personnelles des différents personnages, et puis différentes armes qu'on va pouvoir améliorer. Donc on va passer évidemment des fameux double pistolets basiques à un lance-grenade, lance-roquette, fusil à pompe, etc. En fait, c'est le tout premier Lara Croft and the Guardian of Light est sorti en dématérialisé uniquement. Les fans vraiment ont répondu présent, les médias ont adoré le jeu, donc on s'est retrouvé avec la possibilité évidemment de le sortir toujours en dématérialisé, donc il sort sur Xbox One, PlayStation 4 et PC en dématérialisé, et on a aussi décidé de sortir une version boîte parce que le jeu il fait entre 8 et 10 heures de jeu, on a une vraie valeur de production, le jeu est excellent, on peut jouer à 1 ou à 4 joueurs, les voix sont en français. On a repris Françoise Cadol, qui est la voix mythique de la toute première Lara Croft. On s'est dit pourquoi pas sortir une version boîte pour les fans. Voilà, une version boîte pour les fans avec plein de surprises à l'intérieur. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de mettre la main à la manette pour partager quelques instants de jeu avec plusieurs personnes. Alors, le jeu, c'est vrai, en solo, je pense, pourrait lasser un petit peu plus. Il est sans doute moins rigolo, mais ça tient la route. À 3 ou 4, franchement, là, ça devient vraiment, vraiment sympa. Surtout que, et ça c'est intéressant, c'est que n'importe qui peut rejoindre le jeu à n'importe quel moment de la partie, qu'on soit d'ailleurs offline, c'est-à-dire tous dans la même salle, ou bien online avec des copains qui nous rejoignent sur Internet. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Alors, il y a des pièges aussi à l'ancienne, plein d'ennemis, et les joueurs peuvent évoluer, on le disait, améliorer également leur armement. Et surtout, le jeu s'adapte là aussi au nombre de participants. Ça, c'est une bonne idée également. C'est-à-dire que si vous jouez à 4, ben, vous avez, on va dire, 4 fois plus d'ennemis qui débarquent, des squelettes et des tas d'autres bestioles qui veulent vous expliquer que c'est pas bien d'aller embêter le dieu 7. Voilà, par ailleurs, à certains moments, il faut aussi se repositionner sur des pierres, on le voyait sur la vidéo, pour ouvrir des pièces par exemple, et là aussi le jeu s'adapte en fonction du nombre de participants. Alors à l'époque, j'avais pas joué à Guardian of Light, et j'avoue que je suis très très fan du dernier Tomb Raider, là où on voyait la jeune Lara Croft dans ses perdu sur une île déserte, et j'avoue avoir eu un petit peu peur à un moment de me poser les fesses sur le confortable canapé de cet appartement parisien pour essayer pour prendre en main d'abord Isis puis Carter, mais au final je dois avouer que le plaisir du jeu est bien réel, et c'est quand même le principal, donc c'est plutôt une bonne surprise pour moi. Je suis pas allé très très loin non plus parce qu'il fallait que je retourne au travail, mais en tout cas je me suis bien amusé, et je vous avoue que c'est quand même le principal quand on fait du jeu vidéo. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi, là, Ali. Voilà. Avant de libérer Tristan Perdriau de Square Enix, je lui ai parlé d'ailleurs un petit peu de cette Lara, première icône féminine du jeu vidéo. J'ai connu Lara Croft, j'étais étudiant, alors c'est assez rigolo, je bossais pas du tout chez Eidos à l'époque, c'était en 1996, et c'était la première héroïne qui a fait des couves de grands quotidiens. Je pense que sa notoriété, à la fois par les jeux vidéo, par les films plus tard avec Angelina Jolie, a permis de dépasser le simple domaine du gamer. Ça reste l'archétype de l'archéologue qui vit des aventures incroyables, un peu comme Indiana Jones d'ailleurs dans les films. Donc on se retrouve avec une femme très connue qui a des valeurs positives. C'est aussi une icône sexy, on va dire. Ça a aidé là aussi à ce que ça devienne une bombe vidéoludique. Je pense que oui, à la base, c'est évident. Quand Crystal Dynamics a repris la licence, au début c'était Core Design, mais quand Crystal Dynamics a repris la licence et a décidé de travailler notamment sur le reboot qui est Tomb Raider, qui est sorti l'année dernière, il y avait une volonté de la rendre un peu plus humaine,
que cette comme vous dites, cette bombe vidéoludique qui a été à l'époque qu'une sorte de personnage en polygone. Hein. Il faut voir, si vous rejouez à Tomb Raider de la première époque, en 96, c'est difficile d'imaginer la bombe vidéoludique puisque c'était des espèces de triangles. Il y avait peu de polygones, on ne voyait pas vraiment le côté sexy. Et désormais, avec la nouvelle Lara Croft, on est sur un personnage un peu plus nuancé, un peu plus dans l'air du temps. Voilà. Lara Croft et le temple d'Osiris sur PC, PS4 et Xbox One. Et puis je voulais terminer avec une autre icône. Voilà, ça s'appelle Zlatan. Voilà, alors c'est une BD, un drôle de concept, une BD dont les héros sont les joueurs du PSG, faut le savoir. Le PSG qui est devenu la meilleure équipe d'Europe et donc du monde, c'est fait, oui. Et ben, ils vont avoir une mission absolument incroyable, un match de foot avec une équipe d'une autre planète. Voilà, avec donc Verratti, Thiago Silva, Blanc, Sirigu, tout le monde. Et le perdant, sachez-le, eh bien le perdant verra sa planète détruite. Voilà, c'est dire si le sort du monde est entre les mains de Zlatan. Ça s'appelle Heroes. Le graphiste, vous avez pu le voir, est vraiment super héros à l'américaine. C'est un concept à réserver surtout aux fans du PSG. Je ne sais pas si ça vous donnera une idée, Ali, pour un prochain Subutéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bah, merci à vous, surtout de nous avoir accueillis. Voilà, et puis continuez à sortir de nouvelles équipes le jour où vous avez le Football Club de Brest là, avec Drago Vabec. Ça me rappelle mes années 80 à moi, ben je suis preneur. Je ne vous vois pas de plaisir. À quoi tu joues ? Voilà, c'est fini pour cette semaine. Et n'oubliez pas vos petits souliers, parce que c'est bientôt Noël. Et en attendant, amusez-vous bien. Salut.